Chez Casamance, nous inspirons de la nature pour nos collections et cette fois, je vous emmène dans un monde aquatique. Donc en fait, on va aller voir la nature sous l'eau avec ce magnifique dessin, les empereurs, qui se trouve juste ici. On observe en fait ces récifs coralliens qui sont restitués par impression digitale sur une base lin. C'est ce qui fait ce joli fond sur lequel on restitue les récifs coralliens. Et on l'a vraiment conçu en contraste avec les poissons qui sont très colorés et en broderie. Donc en fait, on a vraiment les deux techniques. L'imprimé qui crée le décor dans des couleurs très subtiles, presque neutres. Et ensuite, la broderie qui fait vraiment exploser les couleurs. Et où là, on est presque assez proche de la nature finalement, puisque les poissons sont parfois aussi très très colorés. Et donc le petit poisson empereur, c'est celui-ci. Les empereurs, c'est le nom de notre dessin. Il y a plein de petits détails vraiment jolis à regarder sur cette broderie. On peut observer ici tous ces petits pois dans les points de broderie qui viennent vraiment créer de la matière et du relief et qui créent comme un décroché du poisson de son décor. On peut observer aussi dans le choix des couleurs qui était aussi très travaillé. On retrouve encore notre note Casamance ici dans les bleus, en contraste avec un rouge qui est rouge brique, donc toujours très subtil, avec voilà, des couleurs aussi qui sont très lumineuses, comme cet indigo qu'on voit sur le fond, sur lequel se tracent les rayures du poisson. On a travaillé une deuxième version avec un fond beaucoup plus neutre, dans les beiges ici grisés, avec des poissons qui sont dans les bleus, donc on est vraiment dans une ambiance mer, mais un petit peu plus sage. Cependant, on a une richesse toujours dans les couleurs, puisqu'on associe au bleu les bruns avec des mords dorés et des beiges qui le rendent très lumineux et toujours aussi riche en couleurs.